Eh bien salut à tous les amis, c'est Creepy5, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo dans l'univers de Minecraft avec ma toute nouvelle map que j'ai créée ce matin. Ça a pris combien de temps? 3-4 heures pour le construire, génial! Donc cette map c'est une arène de combat, donc on va commencer le jeu. Donc bienvenue dans la map Disney contre Sega. Wouhou! Donc ça va mettre en relation deux personnages principaux de Disney avec Mickey Mouse et de Sega avec Sonic the Hedgehog. Map créée par Creepy5. Moi-même. Donc vous verrez, j'espère que cette vidéo vous fera beaucoup plaisir. Donc choisis ton camp, modifiez à l'infini l'arène de combat. Ouais, parce que dans ma map, vous pourrez modifier les noms des teams que vous voudrez en créatif ou autre. Donc, si vous voulez faire par exemple Team Mario contre Team, je sais pas, Undertale, c'est comme vous voulez. Peut-être un Team Five Nights ou sur un thème que vous voulez, genre le thème Sonic, Team Sonic contre Team Shadow, voilà. Enfin bref. Et en bas, c'est écrit bonjour à tous et que le meilleur gagne. Alors moi, je vais aller dans la rouge parce que je me suis pris le skin de Mickey Mouse. Pourquoi? Comment on fait pour voir Mickey Mouse? Ben, ça se voit avec la petite main là. Coucou! Voilà la petite, le petit gant là. Donc, on va dans les rouges. Et nous sommes dans la team de Disney. Wouhou! Ouais, on est chez Disney, c'est génial ça. Oh les amis, c'est génial. Bienvenue dans la team Mickey Mouse. Ah, oh, merci, c'est gentil, c'est gentil. Donc, vous verriez que dans cette salle, il n'y a rien. Y'a rien? Pourquoi y'a rien? Bah, je sais pas, j'ai la flemme de mettre des choses dedans, alors ça va. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce coffre. Il y a... Oh! Il y a 7... Il y a 8 casques, 8 protections du corps, 8 pantalons, 8 chaussures, 8 épées, 7 haches et pour 7, chacun... 16 perles de téléportation. Oh ouais, c'est la classe, hein. Ouais, parce que je voudrais que celui qui n'a pas la hache et la perle de téléportation, c'est le chef de la troupe. Voilà. Chef de troupe. Enfin bref, nous allons continuer cette visite. On va aller... on va aller là-dedans. On va visiter, les amis. Attention, total exclu. Voici l'arène de combat. Wouhou! Voici, de mon côté, la magnifique arène de combat. C'est magnifique. De ce côté, il y a ceux de l'équipe Sonic. Et ici, mon équipe, l'équipe Mickey. Donc, de ce côté, vous voyez qu'il y a des flammes partout, de chaque côté, là, là. Ici, nous avons les lanceurs de boules de neige. Donc, tous ceux qui auront des boules de neige, ils se mettront dedans. Enfin, ceux qui voudront... parce que... Il faut au maximum 8 personnes qui vont dans l'arène. Ici. Donc là, tu peux balancer les boules de neige. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Pas ça. Voilà. Et... Parce que 8 personnes ici et 8 personnes tout en haut, là-haut, là-haut. Ouais, tout là-haut. Donc, on verra ça tout à l'heure. On va voir... Non, c'est incroyable. Alors, on entrera ici. Les joueurs devront entrer ici et récupérer les 64 lingots d'or qui sont de la team Mickey. Que la team Sonic devra récupérer dans la team Mickey. Mais ils doivent choisir entre les deux portes. Et de ce côté-là, dont il y a rien du tout. Voilà. C'est juste pour dire, je t'ai arnaqué, tu t'es fait troll. Enfin bref, voilà. Enfin bref, on va plutôt laisser ça de côté. J'aurais jamais dû dire ça, putain. Voilà que maintenant ça va être encore plus pour les joueurs, putain. Alors, c'est quasiment pareil, c'est quasiment pareil. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Moi, c'est juste pour... voilà. Mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose de gagné... Excusez-moi de l'accent. Enfin, si vous voulez que quelque chose...
Si vous voulez qu'il y ait quelque chose à gagner, n'hésitez pas. Et voici de ce côté de la Team Sonic, les 64 diamants. Et oui, parce que je vous avais pas dit ça, que la tenue de la Team Sonic, c'est du diamant, dont le bleu. Et la couleur de la Team Mickey, c'est le rouge. Ah, on me signale que ce n'est pas le rouge, mais de la couleur dorée. Voilà, de la couleur dorée. Merci, merci à celui qui me l'a dit. Donc voilà, la fin de combat. C'est, je crois que c'est la même chose, je crois. Ou je sais plus. Enfin, ici, ce sera pour les arcs et tout, si vous voulez. Là, ce sont les lanceurs d'arc. Ceux qui n'ont pas de panneaux, c'est pour les arcs. Et ceux qui ont les panneaux, c'est les lanceurs de boules de neige. Voilà. Bon, on va sortir de l'arène. Laisse-moi sortir! C'est moi qui t'ai créé! Merci. Vous voyez par la fenêtre, il y a de jolies fenêtres. J'ai fait de belles fenêtres. Regardez ma petite fenêtre. Enfin bref. On va passer par ici. Qu'est-ce qu'il y a bien dans le noir? Oh! Oh! Des escaliers! Où peut-il bien venir? Donc, on va aller voir ça. Ah! On me dit que c'est moi le créateur? Eh ben, évidemment que je suis le créateur! Non! Et nous sommes tout en haut du camp. Ouais, du camp ou de la team. Voilà, quand vous voulez. Merde, je vous emmerde. Alors, voilà où ils vont tirer. Donc, ils vont soit les arcs qui sont de ce côté-ci. Voilà, qui sont là. Il y en a 8 chacun, 8 personnes, et des boules de neige pour chacun aussi. Donc, ils auront un arc et une boule de neige chacun. C'est la classe, franchement. J'ai bien fait d'avoir fait ce jeu, moi. J'ai vraiment bien fait. Par exemple, t'es là, et t'as envie de tirer, tu fais piou piou piou. Prenez ça dans ma gueule. Voilà. Donc, je vous ai tout montré, les amis. Donc, vous verrez, c'est magnifique. Franchement, je vous conseille d'y jouer parce que, juste pour vous dire que je mets ma map de Minecraft, dont la map Team Disney contre Team Sega, je l'ai mis dans MCPE Master. Ah, désolé pour la pub, ça vient tout seul. Merci Minecraft. Alors on va ici et voilà, vous êtes revenu au point de départ. Donc les amis, c'est tout pour cette mini vidéo. J'espère que cette mini vidéo vous aura beaucoup plu et surtout j'espère que la map sera vite installée officiellement. Je mettrai aussi les skins de Sonic the Hedgehog et les skins de Mickey Mouse dans MCPE Master. Comme ça, vous pourrez les télécharger pour faire les combats de Disney versus Sega. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se quitte avec les portes qui sont juste là. Je vous dis à tous les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Creepy5. Ciao à tous et surtout... Bon Minecraft.